La voiture qui donne l'insomnie au détracteur du libérateur, toujours en forme. La sapologie, voilà. L'homme aux couleurs rares. Un sapeur n'a pas peur des couleurs. Voilà. L'animal, ça c'est trois guépards qui ont été tués pour cette chaussure. Confirmé. Voilà. Les plats du soya. Ouais, c'est les plats de quoi? Bon, ça c'est les plats qu'on sort, le couscous, le riz. Ah. Ouais. On sait aussi le soya déjà. Ouais. Donc, tu achètes à combien? Hein? Tu achètes ça à combien? Viens. Tu achètes à combien au marché pour le vendre? Pour vendre à 100. Non, 50 c'est cher, toi aussi. Tu as acheté à 25. Non, c'est 50. Hein? 50. Et tu arrives à vendre à 100 francs? Oui. Sûr? Oui, pourquoi? Merde. Et par jour, tu peux donc vendre combien? Tu peux avoir bénéfice combien? Ça dépend, hein, mon père. C'est parce qu'il y a les jours que je sors comme ça, je ne vends rien. Mais et les jours que Dieu permet avant que je vends aussi pour avoir ma part même de 2000-2500. Donc comme aujourd'hui là tu sais de ne rien vendre. Non. Non, c'est-à-dire tu as dit qu'il y a les jours tu oui, ne vends rien. Oui. Disons considérant que voilà un jour, l'un des jours. Où c'est possible que tu ne vends rien. C'est ça. Non. Je sais que ça dépend des jours du marché. Je me suis dit, papa, ça dépend des jours de marché. Tu habites quel quartier? Bon, je suis à Brazzaville. À Brazzaville? Oui, papa. D'accord. Donc tu fais le tour de Douala comme ça? Oui, papa. Tu achètes au marché Mbopi? Oui, papa. Mais est-ce que si tu ne peux pas faire mieux que ça, parce que ça, c'est la débrouillardise. Parce que... C'est que, mon père, dans la vie, si tu restes vraiment sur place, tu ne dois pas avoir. Au lieu d'avoir zéro, il faut avoir un. J'ai mal parlé, monsieur. Non. Voilà. Et parce qu'il y a les autres gens qui ont resté sur place. Ils cherchent à voler. Ils cherchent à... Ils cherchent à arracher les sacs. Et que ce n'est pas bon. Regarde un peu ça. Bon. Tu habites chez qui à Dakar? Bon, je suis dans la maison familiale. Et mon père ne vit plus. Et ma mère aussi ne vit plus. Ta mère à quel âge? Ma mère même en mourant. Ta mère? Oui. N'atteignait même pas 50 ans. Non, je dis, tu as dit ton père. Ton père ne vit plus. Oui, même ma mère. Même ta mère? Oui. Ah, d'accord. Donc tu es orphelin de père et de mère. Oui. Et tu as des soeurs, des frères? Oui, moi, et les soeurs. Et les frères, mais ils ne m'en donnent pas sur eux. Mais parce que même eux-mêmes aussi ont aussi les enfants. Hein? Ok. Bon, moi-même, chacun se débrouille. C'est parce que je ne dois pas avoir mes problèmes. Auprès d'eux. Oui. Parce que même eux-mêmes aussi ont aussi les enfants, non? C'est vrai. Voilà. Bon, si tu as un frère comme moi, ce qui est sûr. Tu dois venir me voir. Je vais te voir. Voilà. Mais à part si ton frère aussi jongle encore. Voilà. Mais si tu as un frère bien placé, c'est une obligation qui te vient en aide. Parce que quand tu as les moyens, tu dois aider tes frères. Oui, papa. Tu dois les positionner. Oui, papa. Tu comprends? Oui, mon père. Maintenant, est-ce que parmi tes frères et tes soeurs, il n'y en a pas qui sont déjà bien placés? Il n'y a personne de... Personne, hein? Oui, tout se cherche encore. Et toi, tu as dit que
tu dois te débrouiller. Tu achètes comme ça au marché Mbopi à 50, vous vendez dans tout droit là à 100 francs. Bravo. C'est moi d'abord ça. Tu es garçon. Parce que tu serais un idiot, tu allais commencer à fumer le chanvre, agresser les gens. Voilà. Et que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Tu es resté. Donc, on a besoin de gens comme toi dans la société. Et je vais te dire que c'est Dieu qui t'a fait passer par ici aujourd'hui. Merci, papa. Tu me connais? Non, papa. Hein? Non. Tu me connais pas? Non. Tu regardes la télé ou pas? Hé, hey, attends. T'es longueur. Bon, je vais pas me parler. T'es longueur. Hein? C'est ça, c'est Dieu qui avait que tu es. Hein? Tu as le téléphone? Tu as le numéro de téléphone? Non, bon, moi, j'avais le téléphone. C'est que les choses restent parfois, ça se gâte. Ouais. Il faut... Tu as le téléphone, tu n'as pas. J'ai le téléphone, mais c'est gâté. Non, tu n'as pas. Tu n'as moi, pas le téléphone. J'ai le téléphone, papa, mais c'est gâté. Et si on t'appelle, ça va passer. Non. Je suis ici, là, constamment, au marché Mbopi, ici, là. Ouais. Oui. Bon, si tu veux me voir, je suis ici, là, tous les matins. Bon. C'est toi qui dois me chercher maintenant. Oui, papa. Oui. Hein? Oui. Parce que les gens qui nous regardent, là, sache qu'on nous regarde aux États-Unis, oui. au Canada, oui. t'as quoi? On nous regarde aux États-Unis, au Canada, à Londres, en Suisse, on nous regarde partout. Et les gens, je sais que ton histoire commence déjà à toucher les gens. Parce que comme je dis, moi je ne choisis pas les gens pour aider. C'est Dieu qui envoie. Tandana, je marchais, j'ai croisé Tandana, bam. J'ai braqué la caméra sur elle. Parce que après, quand les gens vont voir mon aide, les gens vont commencer à m'appeler, aide-moi aussi, j'ai tel problème, je suis malade depuis maintenant. Moi, je n'aide pas comme ça. J'aide que Dieu, comme ce matin, je suis sorti là, je m'avais fait les courses. Hein? Pendant que je fais mon direct, j'entends 500 francs le plat, 500 francs le plat. Je dis que c'est encore qui veut perturber mon direct. Alors que c'est un enfant de Dieu. Tu t'appelles comment? Mon nom c'est Fosso Clovis. Fosso Clovis? Oui, c'est Fosso Clovis. Bravo Fosso, monsieur Fosso. Merci papa. C'est mais bon. tu as le look d'un artiste. Hein? Oui, c'est que moi-même, j'ai dansé aussi dans un kid là. Ah bon? Moulam Chamda, Boubankani. Ah, Boubankani, il est même vous. Il est en Europe. Non, il est ici au pont de l'Ancisseur là. Papa Boubankani. Je connais bien. Je crois qu'il a même sorti avant moi. Hein. Oui. Avant. C'était avant. En quelle année? Non, c'était avant. Hein. Mais il a sorti ça depuis. Oui. Depuis. Oh, j'ai beaucoup aimé la chanson là. Hein. Donc tu as dansé dedans, oui. Je vois il y a les Abinos, non? Qui danse? Même mes soeurs sont dedans. Donc tu es un grand danseur? Oui. Et les soeurs Abinos. Il dit, tu es un grand danseur? Oui, papa. Tu en mets le morceau là, tu vas gâter le coin. Oui. Tu es sûr? Oui, papa. Bon, même sa musique, fais un peu une petite démonstration. J'ai la musique. On prend la radio. On prend la radio, hein? Oh, ouais. Mon petit, Anne là-bas, hein? Jean, Anne, demain quand on prend la radio. Coup! On dit que coup! Ah, moi, c'est là. Non, laisse, n'est pas plus. Donc, comme ça, tu es un grand danseur. Hein? Oui. Merde. Comment le plan là-bas? Allez! Ah, maman. En bas, radio là. Oh. Radio.
préparer la part. En tout cas, Oso, oui, d'accord. Vous n'êtes pas été l'heure, voilà les gens qui arrivent. Je vais te prendre encore ce soir ou demain. Comme tu as dit que tu es danseur, voilà que tu danses le monde à tes voix. Donc tu n'as pas de téléphone pour le moment. Donc on va t'acheter un téléphone. Parce qu'on doit te joindre partout. Bon. Tout ça, c'est combien? Bon, moi. En tout cas. J'ai payé ça à 5 000 francs, tout ça. 5 000. Bon, voilà 10 000. Oui, d'accord. Pour ton courage, parce que tu pouvais aller voler, tu pouvais aller boire l'alcool, tu pouvais boire le fofo comme le type là. Oui, d'accord. Toi, non? Oui, d'accord. Mais tu n'as pas fait tout ça. Tu as dit, tu achètes comme ça, tu manges dans toute la ville. Oui, demain, quand tu as devenu millionnaire, on m'a dit que c'est le femme là. C'est ça, c'est ça. Voilà 10 000. Prends ça. Bon, prends. On se voit ici ce soir ou demain. Hein? C'est bien sûr que quelqu'un va déjà agir. On va t'acheter. Voilà. Un petit téléphone même de scène. Achète maintenant la puce. Ouais. Je mets dedans. Demain. Non, n'achète pas le téléphone de 5 000. On va t'acheter. Quelqu'un. La famille. Maintenant, on est à Fosso parce que vous voyez, il se bat. Il n'a pas baissé les bras. Il n'a pas dit qu'il va aller mendier. Il se bat pour s'en sortir. Et on va lui trouver une activité. Toi, non? Oui, d'accord. Voilà. Voilà. Le numéro, c'est le 6-94-24-97-79. Je répète, 6-94-24-97-79. Ton nom, tu t'appelles comment? Fosso Clovis. Fosso Clovis. Donc, vous pouvez envoyer un mandat à son nom. Vous envoyez le reçu sur mon téléphone et je vais le chercher, il va retirer son mandat. Et vous allez voir en direct comment il achète son téléphone et tout. Coupé!